Enfin, ça y est, je la vois enfin. Quoi? Il a fait un jump. Mais il est trop. Attends, c'était où là? Bienvenue à tous et bienvenue dans le Squid Game des Youtubers. Effectivement, j'ai organisé avec mon équipe qui est derrière moi. Quand vous bougez tous d'un coup là, alors je vous dis de pas bouger. Bougez l'équipe. Ouais, ça c'est l'équipe ça. Effectivement, sur la première vidéo Squid Game, il y a eu les 50 000 likes. Donc j'ai décidé de réunir 8 Youtubers de tout horizon. Donc ces 8 Youtubers vont être confrontés aux 6 épreuves de Squid Game. Et il n'y aura qu'un seul gagnant. C'est qui va gagner? Moi. Ok, si vous voulez bien vous mettre en queue-leu-leu devant moi là, s'il vous plaît. Si vous voulez bien me suivre, les gardes, on peut y aller, je pense. Vous me suivez, s'il vous plaît, vous faites pas de vagues. Regarde-moi bien, toi. C'est bien. S'il vous plaît. Calmez-vous. Ok, on passe, allez. Un portail. Et vous mettez en ligne ici, s'il vous plaît. Bon, on est à la première épreuve. Arrêtez, Nino, t'arrêtes de faire le. Mais frère, moi je suis calme, ils viennent, ils me frappent. Arrête de faire l'enfant. Pas, frère. Le premier jeu, je pense que vous connaissez tous, c'est 1, 2, 3 soleil. Il y a une règle, vous ne pouvez pas courir. Quand il joue à sprint, je le shoot à l'arc. Ah ouais, okay. Je peux pas nous mettre un effet de lenteur ou quoi permanent, comme ça on est sûr. Ouais, mais c'est chiant ça. Allez, monsieur le garde, tu peux ouvrir. On y va. Le jeu numéro 1 est le 1, 2, 3 soleil. Un jeu normalement extrêmement simple. Votre but est tout simplement de passer la ligne d'arrivée qui se trouve à une cinquantaine de blocs de là où vous commencez. Bien sûr, si c'était aussi simple, tout le monde gagnerait. Si vous bougez pendant que la poupée vous voit, vous mourrez. Petite particularité, les joueurs peuvent vous pousser. Et donc vous pouvez tout simplement mourir si quelqu'un vous pousse et que la poupée vous voit. Donc, qui va réussir à survivre à cette première épreuve? 3, 2, 1... Zéro, tu peux activer. Ok, le jeu se lance, c'est parti. Oh, ça part déjà. Okay. Vas-y, go. Dès qu'elle se retourne, il faut surtout ne pas bouger. Putain, attends. Oh. What? Oh, elle a tiré sur quelqu'un. Putain, je vois pas. Putain, de toute façon, il s'est fait tuer tout seul. Ouh. Ah, Nino, il en a éliminé un. Non, enfoiré. Oh Nino, que tu es Gary School, oh mon dieu. Je vais te venger, personne qui a été tué par... Nino, si je me fais pas tuer avant. Non, ça y est, je la vois enfin. Ça y est, je la vois, ça y est. Ah bah voilà, il s'est fait... Bah voilà, le karma existe. Oh non Nino, oh devant moi. Oh non, c'est terrible. Bon, je pense que là, je vais pouvoir rusher jusqu'à la sortie. C'est bon. Allez. Oh, kill. Oh, venez, je le pousse. Ok. Faut plus bouger, ça y est. Oh, il est passé. Il reste qui là-bas? Ok, Titi qui prend bien son temps pour terminer et Titi qui finit. Et il faut plus bouger après, hein. Il est passé. Je crois que tout le monde est passé. Bon bah GG à tous ceux. Nino, what the fuck? Il a buté Mika dessus. Mais il l'a poussé comme un lâche. Bon, ok, on repart, allez, suivez la bande. S'il vous plaît, vous pouvez. Calmez-vous. On attend tout le monde et on y va. Ok. Quelle va être cette épreuve? Nino, il est où? Bienvenue dans la deuxième épreuve. Magnifique. Dans cette épreuve, chaque joueur sera confronté à un choix. Effectivement, devant eux se trouvera 4 énormes portes. Chaque porte possède un symbole bien différent. Et comme dans la série, ce symbole indique le niveau de difficulté de l'épreuve. Après que les joueurs aient fait leur choix de porte, elles s'ouvriront. Et ils devront tout simplement prendre place dans des petits box. Après ça, ils seront confrontés à un mur. Un mur avec une fresque qui représente le dessin qu'ils doivent redessiner. C'est donc une épreuve de rapidité et d'adresse. Parce que si le joueur se trompe d'un seul bloc dans sa fresque, il meurt. Si vous voulez, on vous laisse 5 minutes de récréation. Non, la flemme. C'est bon, en ligne, en fait. S'il vous plaît. Donc, le deuxième jeu, tout simplement. Ok, vous avez 4 formes sur les murs, là. Vous allez devoir en choisir une. Ce n'est pas comme dans la série. Ne vous faites pas avoir. Voilà, c'est à toi de voir. C'est rien que ça. J'ai pas demandé de choisir maintenant. C'est pas comme dans la série, du coup, on va prendre. Attends, c'est pas fait. Maintenant qu'on choisit. C'est pas maintenant que vous choisissez. Je vous donne un indice, c'est pas comme dans la série. Non, mais est-ce que tu mens ou pas là? Ouais, peut-être c'est une psychologie. Non, mais si tu donnes un indice qui influe sur le jeu alors que tu mens, c'est chaud quoi. Bah, je ne sais pas, moi je vous dis juste que c'est pas comme dans la série. Bah, après, il fait ce qu'il veut, c'est lui le directeur du truc qui fait ce qu'il veut. Donc, je crois que dans la série, ils ont dit est-ce que tu mens, frérot? T'as un deal, t'as changé. Eh ouais, mon gars. Il a plus d'abonnés que toi, je suis désolé. Je vous appelais par ordre de tab et vous allez devoir aller choisir une forme. Richard, oui, va choisir une forme entre les 4 s'il te plaît. Ouh là là, alors attends, vas-y, le choix va être très difficile. J'ai envie de faire confiance à cette forme. D'accord. Frigiel. Moi, je vais aller le plus loin possible de Bichard. Ok. Fuse. Moi, je vais avec Frigiel. Ok. Gary School. Oui.
Je vais avec Fuse et Frigie. D'accord, le parapluie est utilisé, vous ne pouvez plus y aller. Super les gars, yeah. Super, non, moi je sens que je vais pas avoir le choix, je vais me retrouver avec le dernier truc qui va rester. Mirolam. Mika, t'as entendu, vous avez le parapluie là. Complexité. D'accord, Nino. Eh ouais. Choisis une forme. À mon avis, le plus facile c'est lui là, il y a beaucoup de symboles. Ouais. Gil. Il va avec Bichard. Titi. Attends, ça veut dire que. Et on est attends, dans la merde. T'es le dernier, allez, choisis. Attends, mais je peux laisser ça oui. Tout seul là. Tu peux aller dans l'un des deux des trois là. Ok. Ok, donc vous avez 4 minutes pour faire l'épreuve. Si vous pouvez appuyer sur le bouton. Pourquoi t'es passé en premier toi? Parce que j'ai envie. Ça va vous TP dans votre box. C'est bon, vous êtes dans votre box tous? Oui, ouais. On y est, ouais. On y est. D'accord. Y a pas la fresque encore, c'est normal. Oui, y a, normalement, on est caché par de la bedrock. Je vous invite à prendre connaissance de vos blocs. Donc, dans la plupart, c'est vraiment beaucoup de blocs et il y en a, ils ont très peu de blocs en fonction de la forme que vous avez choisi. Oh, Ouais. Moi, j'ai beaucoup de blocs. Hein. J'ai tellement de blocs. Et là, ça a la goutte de sueur, là. À partir de mon go, la bedrock va s'en aller et vous devrez refaire les fresques. Il y a la bedrock qui va partir dès que vous pensez avoir terminé. Il y a un petit levier à côté de vous, vous cliquez dessus. Ouais. Pour dire que c'est fini, il y a un des bodyguards qui va venir vous regarder votre fresque. 1, 2, 3, go, c'est parti. Mais on est d'accord que vous aussi les blocs ça vous perturbe les trois blocs là en noir là. J'ai pas les mêmes moi, j'ai pas les mêmes. Mais moi j'ai que deux blocs en noir. J'ai plein de blocs moi. Mais quoi, mais on a la même figure. On a pas les mêmes trucs hein, c'est sûr que non. Quoi? C'est symétrique ça. Je sais pas en fait, il faut faire miroir ou... Oui c'est symétrique parce que le côté vert, ok. C'est pas facile hein cette histoire là. Oh ouais, je sais pas. Ça me perturbe là. Alors, là on a un problème. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce bloc là? Ok, ça c'est de la black concrete. Okay, ouais, mais. J'ai eu chaud là. Alors attends, ça c'est de l'endstone que je dois mettre ici. Ah, j'ai de la black wool là. Ah, la black concrete, mec, okay. T'avais ça. C'est vrai que je suis en train de tryhard. Pardon. C'est bon. Ah, c'est bon, j'ai fini. J'ai enlevé. Attends, mais moi j'ai un truc beaucoup plus long. Je suis tellement concentré, mec. Mais mec, aussi. Ils m'embolossent là. Hein. Ils m'embolossent de fou. Hein. Quoi? Une minute? Impossible. Ils me font peur là. Ils sont à côté avec leur épée là. Ils me font peur. Mais pourquoi? Ah, c'est à cause de ça. C'est parce que j'étais. Mais moi c'est aussi, j'étais aussi, ils m'embolossent. Mais pourquoi? Mais moi ils m'ont tué. Mais ma truc elle est parfaite. Ah, t'as peut-être fail en vrai. Bah non. Bah non, quoi en fait. Ici, je le concentre. Mec, je suis perdu. Il manque un bloc. Ok. Voilà, ici deux blocs complètes. Je crois que c'est bon. Let's go, j'ai fini. Et là. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il s'est loupé. Non, ouais, je pense aussi. Hein. Ok, j'ai fini. Je crois que c'est bon. Attendez, regardez-moi. Est-ce que c'est parfait comme ça? C'est parfait comme. C'est pareil, je suis un putain de boss. Moi, c'est la même chose, mais je sais pas s'il fallait faire miroir genre en mode. En fait, non, ça fait 4? Eh, t'as vu, c'est un chiffre 4? Non, pas moi. Non, mais on a pas le même truc, c'est sûr. Hein. Ah ouais, moi ça n'a aucun rapport. Hein. Moi, il y a plein de blocs différents. Par contre, ils m'ont bolossé parce que j'avais mis leur. Moi aussi. J'ai fini. Mec, t'as fini. Hein. Ouais, j'ai mis. J'suis, ok, mais non, parce que j'ai failli oublier. C'est une question de vie ou de mort là-haut. Attendez, mais vous avez combien de blocs, les gars? J'en ai 25. Ouais, j'en ai une vingtaine, ouais. Ah, okay. C'est normal, ça. On en a tous une vingtaine, c'est juste qu'il y en a qui ont des blocs qui se ressemblent. Non, c'est juste qu'il y a des gens, ils ont 4 blocs différents, nous, on a 11 blocs différents. Ah ouais? Ok, c'est bon. Oh, les bâtards. Et du coup, faut faire dans quel sens, là? Oh, bah attends, mais si tu pètes un bloc... Ah oui, c'est vrai, c'est symétrique ou... Effet miroir, les gars. C'est effet miroir? T'es sûr? Bah, en fait, qui c'est qui a dit ça? Non mais je le pense, tu vois, en gros tes blocs de terre ils sont d'un côté, bah tu les mets du même côté que non, moi, la fresque. Pour moi c'est pas miroir. Attends, miroir ou pas? Non, mais moi, attends. Moi je suis miroir les gars. Eh moi je m'en fous, je fais pas miroir. Oh putain. Ok, vous me laissez dans la merde alors qu'on est dans la même équipe. Je sais pas là, c'est une chance sur deux. On n'est pas dans la même équipe. Ah, comme vous voulez, ils ont oui, dit. Oui c'est vrai. Ah ouais, non mais j'avoue c'est perturbant. Ouais, c'est un peu perturbant, ouais. En fait, j'aurais dû faire miroir. Si tu te trompes, tu peux le répéter ou... Ah, j'aurais dû faire miroir aussi, je pense. Ah, allez, j'aurais pas dû m'écouter. En fait, moi, je me suis dit, je suis dans la sauce, du coup, je vais te dire, je fais ça. Comme ça, Frigiel, il va être dans la sauce aussi. Je suis grave dans la sauce. Non, ça avance. Non, mais attends, mais c'est des blocs, mais du futur, en fait. Oh, je me suis trompé, je peux l'enlever? Bah, justement, c'est ça que je demandais, je sais pas. Oh non, je me suis trompé. Ok, les gars, j'ai fini. Bah attends, parce que moi j'ai fait une bêtise là quand même. Attends, là s'il me dit que c'est pas bon. J'ai fait une dinguerie là. Mais vraiment, on est d'accord, on a moins de chance en fait. Bah je sais pas. C'est dur votre truc à faire vous ou pas? Moi c'est un arbre. Quoi, un arbre? Ah non, mais pourquoi? Bah je croyais que t'étais avec nous. Moi c'est rien du tout, hein. Moi c'est. Moi c'est un golem. What? Moi je dois faire un golem. Par contre, je me suis trompé alors. En fait, c'est trop perturbant quand c'est pas en symétrie. En vrai, peut-être que si je la joue bien, ils remarqueront pas que je me suis trompé. J'avoue que même eux ils vont galérer en fait. Ah mais après quand tu te mets au fond de la pièce tu vois vraiment bien les deux fresques en même temps. Ah je pense ouais. Qu'ils font comme ça. Je dis pas ça mec. Oh désolé, ouais c'est vrai que je vous rassure pas là mais... Non mais il faudrait que j'enlève le machin où je me suis trompé là. Mais tu peux pas essayer d'enlever? Bah mais il si a tu, dit si cassez tu pas pètes... la main. Il y a des gardes qui me regardent mec.
Ok, moi c'est bon. Bah de toute façon, une fois que c'est posé hein. Ouais, ouais, bah écoute, t'inquiète. Bon bah, pas adieu Frigil. Attends, si je... Plus qu'une vie. Si je l'empêche de regarder... T'es mort au jeu de Notre Soleil ? Non, je suis pas mort. Ah ça, bon ça va. Moi on m'a lâchement poussé, mais bon, je vais rien dire. J'ai un peu fait l'inverse des couleurs en vrai. Hein. Non, je te jure, j'ai réussi. Ah, nous on doit rester ensemble là du coup. Casse-toi. Non, mais en fait, quand t'es pas vérifié, faut rester ici. Ah ok. Ah oui, non mais, oui, d'accord, comment il vérifie ? En fait, il se retourne à chaque fois, donc il peut pas savoir si on s'est trompé ou pas. Est-ce que c'est encore carré ? Oui, c'est carré. Ah mais carré, il est du père. Si vous pouvez bien me suivre pour le troisième jeu, c'est une épreuve de skill. Les plus forts seront mis en avant dans cette épreuve, voilà. Juste à dire ça. Suivez le garde rouge, merci. Arrêtez non, de vous taper, bordel de merde. Non, moi j'ai plus de TK là. Oh la dinguerie. Les personnes qui ont des fake équipements de garde, vous allez perdre votre vie. Je vois si pas de quoi tu parles. Non, j'en ai... Mettez-vous en ligne bien belle là. Ah en ligne. Ouais en ligne. Gary's cool, en ligne. Mais quoi? Ah en ligne. On est en ligne. Monsieur en ligne. Il tire à la ligne, ouais. C'était en colonne. Bon, le troisième jeu, le tir à la corde. Ce jeu se fera en équipe. Ça va être 4 contre 4 ici. Ok. Oh le feu. Je vous invite pas du tout à faire vos équipes parce que ça va être du random en fait. Oh yes. Oh là là là. Let's go. Donc si vous êtes prêts à admirer la beauté. Oh. Wow. Wow. Ah là, là on est bien ça. Je me rappelle ça. C'est incroyable. Ça ressemble. Cette troisième épreuve se fera en équipe. Effectivement, comme dans la série, j'ai décidé de faire des équipes de 4. Le principe est très simple, faire tomber les adversaires. Après que les équipes se soient créées, les 4 joueurs devront aller dans leur building respectif. Ils prendront l'ascenseur et à partir de là, ils auront une minute pour faire un point stratégique. Se dire leur stratégie, comment ils vont faire pour gagner, etc. etc. Après cette minute passée, ils rentreront dans le vrai jeu. La canne à pêche en 1.17 fonctionne d'une façon très facile. Vous pouvez agripper des mobs ou des gens avec pour les pousser. En tout cas, pour les faire venir vers vous. Et c'est comme ça que les joueurs devront s'éliminer entre eux. Messieurs les gardes, si vous pouvez mettre un dispenser d'équipe aléatoire, s'il vous plaît, merci. Je tiens à dire que cette épreuve requiert du skill. Voilà, je vais vous appeler par votre tab, hein, comme l'épreuve d'avant, et vous allez devoir venir choisir une petite couleur. Pourquoi c'est toujours les derniers qui... la dernière lettre de l'alphabet qui bah passe écoute, en dernier. Tu te fais fumer. Voilà. Moi aussi, je me serais fait fumer, je m'appelle Ninjax. Avec qu'à t'appeler Agil84. Non, mais oui, la prochaine fois, voilà. Je vais mettre un A devant mon pseudo pour les events comme ça, c'est bon. Bichard, viens prendre ta couleur. C'est moi-même, s'il vous plaît, la bonne couleur, une bonne couleur. Ok, du bleu. Ok, c'est ici. Mon skin est rouge, merde. Je veux être bleu, s'il vous plaît. Je veux être bleu, pitié. Frigiel. Moi. Pas bleu, pas bleu. Rouge. Yes. Oh. Fuse, non. Vas-y. Rouge. Putain. Bleu. Allez. Oh là. Ok, là, avec Bichard. Salut, Fuse, salut. Gary's cool. Appuie, hein. Mon dieu. Moi, je suis solide. Sur rouge. Allez, en fait, c'est bleu, rouge. Biro, vas-y. Allez. Rouge. Oh, rouge. Rouge. Ouais. Nino, go. Ça fait plus de chances d'avoir Nino. Faites qu'il soit dans l'équipe bleue. Bleu. Nino. Il s'est endormi. Rouge. Yes, Guy et Titi, vous êtes automatiquement dans la team bleue. Let's go. Alors, c'est quoi cette team? On est mort. Ceux qui ont un avantage à la canne à pêche, à la rod, vont gagner cette épreuve. Attends, c'est 1.17, ah, d'accord, c'est pas... J'ai compris. Ouais, mais tu sais, allez, tu gars, connais la canne à pêche. Tu sais le fil, comment il part, quoi. Alors, je vous invite à prendre place, à continuer à suivre le petit chemin. Vous allez avoir un TP au bout. Et vous passez cette plaque de pression, vous allez vous faire TP. Comment ça va se procéder? C'est très simple. Vous avez deux plateformes. Au bout de cette plateforme, quand vous avez passé la plaque de pression, vous allez être TP derrière un mur invisible. Les gardes, si vous pouvez ouvrir... les ascenseurs pour qu'ils puissent passer. Ok, bon, à voir comment ils vont s'en sortir, mais je pense que c'est l'équipe de gauche qui va très clairement gagner si c'est bien joué, quoi. Go, let's go. Les amis, je vais vous faire perdre pour que vous tombiez au même nombre de vies. Bah non, principe d'une équipe en fait. Je sais quand même que l'épreuve d'avant, ils m'ont fait refaire et j'ai encore fait la même erreur quand même. C'est quand même incroyable. On a passé tout son temps à faire du PVP, Guil. Bah c'est la plaque. Attends, c'est quoi la plaque? Ah mais attends, oui, d'accord, pour si... avoir une... Ah, je crois que j'avais pas le droit mais... Ah bah j'ai fait comme toi du coup. Bah go le prendre, hein, go prendre... Oh y'a un mur invisible. Vas-y, passe. Mais... Oh mais ok, il faut pécho. Non mais c'est terrible. Les gars c'est chaud, mais en vrai c'est dur hein. J'ai pas compris. En gros, Titi, dans cette version, tu fais clic droit, ça tient, bah voilà c'est bon. Mais il faut faire quoi après là? Faut... Ah bah tu tires. Non mais le mur va s'enlever, Titi. Ah ok d'accord, ok, je sais pas s'il fallait passer dans le trou là. Genre imaginons par exemple je fais ça, tu vois. Non mais en vrai on peut pas se pousser en fait, on peut pas se pousser nous. Et l'équipe de droite va essayer de se défendre comme elle peut. Bon, là les gars ça va être chaud là. Ah, Ranino il est où là? Et bon, on va parler de stratégie là. Ok les gars, je suis le chef d'équipe.
Je prends l'initiative. Ah, d'accord, bonjour. Il faut faire tomber les joueurs d'en face. Si on fait tomber les meilleurs dès le départ, on devrait s'en sortir. Mais comment on les fait tomber? Avec un coup de canne à pêche, mec. On va viser Bichard et Gil en priorité et on essaie de les faire tomber. Ok, ok, chef. Faites attention à rester le plus loin possible du vide. Et voilà, essayez de viser Bichard et Gil. Hein. Je sais pas. Ouais, parce que t'as signé qu'il y avait marqué comme quoi on peut rattraper ses alliés à la canne à pêche. Ah, peut-être, ok. En tout cas, on vise Bichard et Gil. 1, 2, 3, go, c'est parti. Ok, voyons voir comment ils se débrouillent. Ça va jamais finir. Elle était éclatée, mon gars. Non, 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 non. Mais non. Mais. Pourquoi t'as avancé? Attends, il faut lancer un peu plus haut. Ok, j'ai eu Fuse sans faire exprès. Oh oui! Non, non, les gars, c'est clic gauche, c'est clic gauche! Ah, ok, on balance. Ok, tu balances et tu fais clic gauche quand tu l'as chopé. Ok, ok. Oh la merde, y'a plus de Fuse déjà! Mais pourquoi ma canne à pêche elle grappe personne? Si, si, c'est juste que Lightbox elle est bizarre, mais si. Attends, je vais mettre F3B, c'est quoi? Ça au moins. Oh, le tryhard là. Oh si, Gasgoul, Gasgoul! Pardon, Bichard. En vrai, faites gaffe parce qu'on peut se pousser tout à l'heure. Ah, non, non, mais tombé! Non, mais c'est non. Allez, le clutch! Gil, le clutch! Mais non, mais moi ça ne touche pas en fait, Titi, je ne peux pas tirer des gens. Ah, non! Ah, mais je vais pousser! Il reste que... Oh, Garescu vient de tomber. Ok, est-ce que Gil va faire l'exploit? Messieurs les organisateurs, commencez à bombarder la team de 3 de flèches. Va peut-être les réveiller à bouger et tuer le dernier là. Moi j'arrive pas à le lock pour l'instant. Allez les gars, allez, je compte sur vous là. J'essaye de le mettre sur lui mais à chaque fois il esquive. Quoi? Pourquoi il... Bah les gardes en fait ils vous font chier. Pourquoi il l'aide lui? Mais c'est pas... Ça a pas de sens là ce qu'ils font là. J'avoue, d'où les gardes ils prennent partie dans le triche. Commencez à réduire le terrain en mettant des barrières invisibles, comme ça au moins c'est sûr ça va passer. The Gil, il faut que tu l'écrames mais... au niveau de la tête, pas au niveau du corps. Ah oui, oui, c'est mais vraiment au niveau fait, de la tête. Le problème c'est que du coup... Ils sont en train de réduire la zone. Pas de soucis. Je l'ai là, je crois, je l'ai. On est des gagnants nous. Allez les gars. Je l'ai. Non, oh oui, oh si, oui, je l'ai eu. Oui. Ah, GG les gars. GG. GG. Oh là 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 là. Non, cette si vous pouvez me suivre à la quatrième épreuve, s'il vous plaît, c'est par là. S'il vous plaît, dépassez pas le garde rouge. J'ai l'impression qu'il est pas là. Il a pas l'air trop chaud là. C'est pas qui a clair les stuffs, mais j'ai une larme. Il y a le seum depuis tout à l'heure. J'ai plus envie de jouer. On est alors, c'est un peu serré, je suis désolé, mais essayez de vous placer pour pas trop. Voilà. Le jeu numéro 4 est un peu différent des autres jeux, vu que ça va être 3 jeux, 3 mini-jeux en 1. Et tout simplement, celui-là qui perd son épreuve, bah perdra une vie. Minou, tu viens avec moi? S'il vous plaît, faites vos équipes avant de vous disperser dans la map et après trouvez vos jeux. Le jeu numéro 4 du Squid Game est plutôt particulier. Dans cette édition, j'ai décidé de refaire 3 mini-jeux pour le jeu numéro 4. Il y a donc le curling, où vous devez tout simplement lancer des petits palets et essayer d'atteindre le plus de points possible avec vos lancers. Les joueurs auront 3 lancers chacun pour pouvoir faire le plus de points possible. Il y a aussi le 1, 2, 3 pierre feuille ciseaux. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer le concept du jeu. Le principe est juste de récupérer toutes les billes de l'adversaire. Et pour terminer, il y a le randomisateur. C'est tout simplement un dispenser qui drop les billes. Celui qui a le plus de billes à la fin du timer a gagné. Cette épreuve est une épreuve de pure chance. Qui aura le plus de chance? On va voir ça maintenant. Hop là, je mets les palets là-dedans. Ok, bon, tout le monde est dans ces jeux. Tout le monde est lancé dans ces jeux. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas? Gil vs Fuse, qui va gagner? J'ai envie de voir, je pense que ça va être Gil. En vrai, je sais pas, ça peut être full aléatoire. Ah, c'est bon, vas-y, je prends les rouges, mec. Tu prends les bleus? Alors, tu veux commencer? Vas-y. Honneur au plus grand YouTube. Honneur au plus grand, vas-y. Honneur au top 3 Twitch FR. Mec, attends, je vais me foirer. Attends, comment on fait pour envoyer ça? Attends. Franchement, je te laisse rejouer, je te laisse retenter. Wow. Mais mec. Eh, ça fait 5 points. Tu sais quoi? Si tu foires une fois, je te laisserai rejouer aussi. Ça fait 5. Vas-y. Viens, je. Non. C'est bon, on a fait tous les deux. Attends, mais non, mais il y a 3 palets, mec. De toute façon, il y a 3 épreuves. Oh yes, mec, hein. Ah, bien joué, mon gars, bien joué, vas-y. T'as, le mec, là, je vais le tuer, tu vois, et il fait bien joué. Oh. En vrai, si tu me tues, c'est pas grave, hein. Écoute-moi, franchement, ça marche. Quoi, 0 points? Quoi? Il m'a dit... J'ai envoyé les deux. Toi aussi? Sans faire exprès. Oh, toi, t'as 6 points, t'as gagné. Et j'ai envoyé les deux, techniquement. Mais moi, il est sorti. Bah, le mien est sorti, mec, hein. Bah, non, moi, il faut que je relance. Ça compte pas si t'as mis dehors. Moi, il me l'a pas rendu. Ah, c'est bon, bah, on a. Oh non, mais vas-y, hitbox de merde de Minecraft là. Non, mais c'est bon, t'as gagné. Dans tous les cas, j'ai fait 2x0 parce que c'est sorti, donc dans tous les cas, t'as gagné. GG. Bichard qui donne un point à Titi. Titi qui est en train de dévaliser Bichard, ça me termine. Ah ah, ça va être difficile de vous expliquer les règles comme ça. Hein. Oh, j'ai les vies rouges. Ok, très bien, merci. Statistiquement, j'ai gagné parce que du coup, quand j'étais en bleu, j'ai perdu. Oh, ouais, non. Ok, bon, Titi. Vas-y, je t'écoute. Sache que ça a été un plaisir de qu'on se retrouve tous les deux ensemble. Non, on va en faire d'autres, t'inquiète, ça va durer un peu plus longtemps. T'es mon vrai frérot. T'es bon. Bah, en vrai, on peut discuter. Est-ce que t'as passé quoi, une très bonne journée? J'ai passé une très très bonne journée en vrai. Moi aussi, en vrai. Ah non, en vrai, pas.
elle est pas si dingue que ça. Il y a eu des femmes dans ta journée? Non, pas de femmes. Pas de femmes. Moi, si tu veux, on peut en parler vu qu'on est pas en live et tout. De toute façon, ça passera pas dans la vidéo, je le sais très bien. Je crois que Mathieu Triss essaye de me pécho. Mathieu Triss de stage. Mais je te jure, elle a 23 ans, mec. Elle a quel âge? Elle a mon âge quasiment. Titi, on va jouer à Pierre Feuille Ciseaux et ça va être très compliqué, ok? Je sais déjà ce que je vais dire. Alors, on fait 1, 2, 3, Pierre Feuille Ciseaux et on dit combien, ok? 1, 2, 3, Pierre Feuille Ciseaux. Oh le chien. Ok, donc là il a gagné 1, du coup je lui donne 1. C'est ça, tu me donnes une bille. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Oh. C'est tellement stressant, mec. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. C'est pas possible. Le comeback. Ok, je suis proche. Ah, je suis prêt. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Non. Allez, balance. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. T'es trop serré là. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Yes. Ok, ça va venir. Non, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Yes. Ok, c'est au tour de Frigiel et de Miro. Quel? Voyons voir qui gagne entre les deux. Oh, tu veux que je commence? On est obligé de prendre beaucoup d'élan. Je sais même pas s'il faut prendre de l'élan en fait. Ah, j'ai fait la troisième plaque. Ouais, 3 points. Oh, ça vaut peut-être un 5 points ça. Peut-être un 5 points, mec. Hein. Tu peux en prendre. Elle s'est arrêtée. Mais non. Comment ça, 4 points? Après, le risque du côté, c'est que ça parte sur les côtés en fait. Non, sur celle de droite. Ah ah ah. C'est pas possible. En fait, ouais, pour gagner, je dois taper la tête plaque dorée, j'ai pas le choix. Oh, il va le faire. Ah non, ne dépasse pas. Attends, mais j'ai pas bougé. Si j'ai récupéré, c'est qu'elle est sortie. Allez-y, tuez-moi, le jeu est truqué, non, pas de soucis. Oh non, oh, Nino est mort. Non, on a perdu Nino et Gil. Ah, la tristesse. Je vous invite à me suivre pour le prochain jeu. Tu es le monsieur en rouge. Oui, la dernière fois qu'on m'a demandé de suivre un monsieur, c'était bizarre. Je te demande pas de suivre un des messieurs bizarres, je te demande juste de suivre le monsieur en rouge, là. Et il est pas bizarre, le monsieur en rouge. On est encore plus serré, c'est normal. Oh purée. Bienvenue dans le jeu numéro... Combien les gens? 5, bien joué. 5. Bien joué d'être arrivé là. Bon, on a perdu 2 personnes en cours de route à la partie d'avant, mais c'est les aléas du jeu. Hein. C'est pour gagner les 4,56€. Pas déconner quand même. Le jeu, vous le connaissez, hein. Il faut passer les plaques de glace sans mourir. La cinquième épreuve est sans doute la plus dure du Squid Game. Effectivement, le pont de verre est un jeu extrêmement compliqué. Le concept est très simple. 2 ponts de verre sont suspendus. Il faut passer ce pont de verre sans mourir. Sauf qu'il y a un problème. À chaque palier du pont, une des 2 plaques est fausse. Il faudra donc avoir de la chance pour pouvoir passer ce jeu. La traîtrise dans ce jeu est un point très important. Est-ce que les joueurs vont se trahir entre eux pour pouvoir passer? J'enlève 2 plaques. Si vous choisissez, qui doit perdre une vie dans vous tous là? Ah oui, ça vous la pose là. C'est qu'il faut enlever la vie à un mec à deux, hein, parce que sinon c'est fini pour tout le monde là. Vous mettez d'accord là? Ouais, non mais moi j'ai qu'une vie moi. Non, j'avoue c'est pas ça. Voilà. Non attendez, on fait un jeu de hasard entre ceux qui ont 2 points, ok? On a le droit d'avoir des blocs pour avoir un truc de hasard? Oui. Bah je sais pas. Tu mets 3 laines rouges et une laine bleue. Bah oui, bah mets dans un dispenser, ouais, celui qui a la laine bleue il a perdu. Non, bah non. Ça va être... Oh! C'est Fuse. Non, mais les meilleurs partent en premier. Tu perds une vie, mais tu passes au jeu suivant. Non, ah, je passe au jeu suivant. Eh oui. Oh, allez, bim! C'est quoi ces règles, PE? Fuse est mort, mais il passe au jeu suivant. Bah ouais, mais du coup, vous avez 2 trucs en moins, mais ça se trouve, il y a que moi qui gagne à la fin en fait. Sur sacrifice, vous enlevez 2 plaques, hein, au final. Donc, lors de passage, vous faites ce que vous voulez. Non, c'est très bien comme ça. Les amis, réfléchissons juste à un petit truc. On est partant pour garder les gens à un vie au maximum. Donc je propose que les 2 personnes à une vie passent en dernier. Maintenant, pour la sécurité de tous, je propose que Gary School et Mirolem passent en premier et moi je passe en premier. Pour la sécurité, je propose que Bichard passe en vote. Premier. Est-ce qu'on vote pour ce qu'a dit Bichard? Moi je vote pour ce qu'a dit Bichard. Ouais. Voilà, moi aussi je vote pour ce qu'a dit Bichard. Titi, tu penses quoi toi? Je crois que Bichard est vitrier. Titi, tu votes pour ce que j'ai dit? Moi je suis d'accord tant que je suis dernier. Ok, c'est bon. En plus, c'est bon. On va voter la majorité, n'importe. Vous avez 3 minutes.
3 Allez, premiers, vous deux, Garry's Cool, il y en a ouais, un qui passe en premier. Mais pas ça, Bichard. Il y en a un qui passe en premier entre non, vous. Non, Bichard. On a voté. Eh, on je a voté sens que je gagne. Mais Garry's Cool. On a voté 3-2. Je me rebelle, je m'en fous. On a Garry's Cool, on a voté. Miro, vas-y, frappons Bichard. Vas-y, on le pousse. Les amis, on le pousse. Les gars, c'est très important. Je le poussais pas. Nous, on les pousse. Non, parce que sinon, il va. Non, il faut y aller, allez. Hop. Second de vie, second de vie. Bichard, c'est pas le gamin. Allez. Oh, Bichard. Oh Fiouz, t'avais pas du tout raison. Mais c'est un héros, Oui, mais en fait non, c'est vu de moi. Ah mon dieu. Oh non, mais il a fait un jump. Mais il est trop. À gauche. T'es en face. À gauche. T'es sûr hein? Oui. Je te jure, j'ai pas réussi. Oh si. Allez à toi, frérot. Attends, mais ils sont encore en vie. Tout le monde a une vie là. Oh la merde. Oh mon gars, mais heureusement qu'on a le droit d'être plusieurs sur le machin. Il a pas sauté encore là. Ok les gars, j'en fais un et après c'est pas moi. Vas-y. Il est mort les gars. Non, moi j'ose plus y aller là. Allez Miro, s'il te plaît Miro. Pourquoi? Attends, qui c'est qui a sauté en premier là? C'est Bichard de repasser devant. Les gars, il reste 30 secondes les gars. Il reste une minute. Vas-y Gary, vas-y. Oui. C'est celui de droite, c'est sûr, c'est Fius qui l'a dit tout à l'heure. Bichard, il est derrière, il a 2 vies. J'ai que 2 vies. Oh mon dieu. Vite, à droite. L'autre droite. C'est pas possible. Oh non. Mais non. Quoi? Oh mon dieu. Ah là, bien joué. Bon bah, il y a que 2 survivants. Bien joué à vous deux. Bah tous les autres sont morts. Tous, peu importe qui gagne, sachez allez, que j'ai passé un très bon moment. Suivez le garde rouge là, hop. Ah, on a bien rigolé. On aura bien rigolé avec Fius. Qui va gagner les 4,62€, je ne sais pas. En vrai, pour 4,62€, Fius, tu peux bien me laisser gagner, non? Non. T'es quand même pas de petite économie. Ok, messieurs, écoutez-moi. Il vous reste une chance de débattre. Vous pouvez arrêter le jeu ici ou continuer pour les 4,60€. Et si on arrête, ça nique ta vidéo, non? Un peu, donc arrêtez pas. Un peu, juste un peu. Mais donc vous continuez. Ok, parfait. Oui, on veut continuer. On ouvrez le passage secret, s'il vous plaît. Secret. Ok. Si vous voulez bien me suivre. Je savais. Quoi. Ok. Suivez le garde rouge. Ne vous tuez pas encore. C'est pas le moment. Ok. Bienvenue dans le sixième jeu. Le sixième jeu est donc le Squid Game, bien sûr. Le principe, cool. C'est de vous pousser de la forme du Squid avec vos super bâtons KB. Reprenez un bâton KB. Écoutez, j'ai qu'une chose à dire, que le meilleur gagne, parce que là, ça va être compliqué. Le dernier jeu est le Squid Game. Pendant ce jeu, les deux participants n'ont qu'une seule chose à faire, pousser l'adversaire en dehors du dessin de calamar. Pour ce faire, ils auront des bâtons avec recul 2, ce qui les aideront à pousser l'adversaire. Dès que un des deux joueurs dépasse le dessin de calamar, il est définitivement éliminé. Vous pouvez y aller, que le meilleur gagne. Mon cher Fuse, c'est ça, a été un plaisir qu'on se retrouve ici. C'est qu'on peut, encore réfléchir à tout ça. Bon, tu veux arrêter? En vrai, on peut encore réfléchir à tout ça. Fuse, ah, non. Oh mon dieu. Non. Il est trop chiant, PVP. Vous avez fait la seule épreuve où le PVP 1.17 n'est pas un problème pour lui. Non. Vas-y, fonce. Fuse, j'avais dit qu'on pouvait réfléchir à tout ça. T'inquiète pas, j'enverrai de l'air de roi à ta mère. Non. Bichard a gagné le Squid Game. Oh mon dieu. GG, bien joué à toi Bichard. Tu y remportes donc la modique somme de 4,56€. Oui, 4,56€. Content, vraiment, merci beaucoup. Je te remercie ma mère qui m'a mis au monde, parce que sans ça, je serais pas là. Et qu'est-ce qu'on doit dire de toutes les personnes que t'as assassinées? Par exemple, Frigiel, Fuse. J'ai assassiné que Frigiel. Non. Bah tu viens de me buter là quand même, Fuse. Mais en fait, non, j'ai une excuse. On aurait pu discuter. Je lui ai demandé de discuter. Merci il n'a pas voulu, d'avoir regardé il cette vidéo. Bien joué à Bichard. Non, allez, au revoir. Butez-le les gars, butez-le, il me fait chier. Non, allez, non, à non, plus. Faites pas ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le grand gagnant de cette édition est donc Bichard. Si vous l'avez kiffé, n'oubliez pas de lâcher un like, de partager et de vous abonner. Et moi, je vais aller siroter un jus d'ananas. Allez, ciao.